déjà 7h dans tout studio télévision nationale d'Haïti, Delma 33 Port-au-Prince. Bonjour Haïti, bonjour au soir le monde. Nous comptons ensemble avec vous jeudi vendredi pour dernière sortie journal pendant ce maintenant. C'est un plaisir pour nous ensemble avec vous. Déjà, nous souhaitons passer un très bon week-end sur télévision nationale d'Haïti. Rapidement, mes grands points qui a dominé l'actualité. 6 mois après le président de la République, Jovenel Moïse, te relancé le processus de travail réhabilitation PISA à Yéopoa. Responsable groupe Voba et Fils accompagné Azelio a doublé GFOYO pour capable respecter délai pour capable remettre à travail là dans le mois de septembre qui vient là. Rapport commission bicamérale qui a travaillé sous choix représentant parlement dans le conseil électoral permanent déjà déposé rapport dans le secrétariat général à l'Assemblée nationale là d'après député 6 conscription Kenskofla Alfredo Antoine. C'est 21 personnalités selon commission qui respectait toutes conditions yo. Rencontre qui était prévue faite ailleurs jeudi entre membres commission agriculture dans chambre député à quelques dirigeants compagnie téléphonie mobile Natcom sous parole qui t'a fait comprendre Natcom a tard introduit une semence dirigeant Latibonite qui pas respecté aucune norme pas trouvé faite à cause responsable Natcom te voulait parler seulement à président commission. Et puis à l'étranger, yon barrage d'eau dans pays Kenya pété et puis pote aller en pile caille dans 2 villages. Pour pipiti 47 moun ont mouri, plus passé yon quarantaine disparaître. C'est point ça yo. À quelque n'a pote pour dans journal aujourd'hui là, n'a pote pose pas déplacer n'a tourner tout à l'heure. Merci pour fidélité et attention. Nous retournons pour développement information. Et nous te disons dans grand titre, 6 mois après le président de la République, Jovenel Moïse, te relancé le processus de travail réhabilitation, piste atterrissage à l'aéroport international Toussaint Louverture. Et bien, il y a un responsable, regroupement Voba EFIS et puis compagnie Azel, yon même qui a bien pour faire travail ça, yon double GFOYO pour capable respecter délai pour permettre yon remettre travail ça dans le mois de septembre qui a venu là. Responsable chantier fait connaître l'appli qui participent tombé pendant dernière semaine ça yo et puis question sécurité dans airport là c'est ça qui bail quelques retards dans avancement travail yo. Ingénieur Fritz Chéri lui-même qui c'est responsable étude à topographie et puis ingénieur David Baron lui-même qui responsable à travail yo a répondre question ça Jean Etienne à général Divonne. En résumé travail qui est dans projet hein? Donc c'est mettre à norme et piste et aéroport. Donc c'est nous gagner dans un premier temps pour que nous capable mettre à norme piste aéroport et puis dans un second temps pour que nous capable réhabiliter tout système électrique pour aéroport. Et qui ça travaille ça au ta doit permettre nous faire qui avantage qui gagne dans travail ça. Donc avantage qui gagne dans travail ça donc permettre que nous capable mettre piste aéroport international tout Saint-Louis sur capable et rentrer dans normes internationales donc qui fait que nous gagnons un aéroport qui dans catégorie et 4D donc qui c'est et nous connaissons que aéroport international c'est le principal aéroport que nous gagnons donc c'est le plus gros aéroport que nous gagnons donc la permettre que nous capable et recevoir une série de catégories de avions que nous pas capable de recevoir avant. Là, nous connaissons commencé déjà depuis environ 6 mois à le relancer. Pendant le relancer, à qui ça fait déjà? Donc, ça qui fait déjà, et alors dans la structure chaussée que nous avons pour nous faire, nous avons pour nous dans un premier temps, et mettre profil à travers et piste là dans le norme. Donc, ça que nous faisons déjà. Et dans un second temps, nous avons pour nous mettre 2 couches de structure. Nous, à 90%, nous avons mettre une couche. Que nous avons pour nous mettre, nous avons pour que nous mettions la deuxième couche de structure, qui est la dernière couche qui pour permettre que l'avion soit capable de circuler normalement sur le piste aéroport. Nous avons besoin de reconstruire accotement, là. Chaque côté est dans le bord renoué et c'est ça qui prend le plus de temps. Donc nous mobiliser en plus de machines pour excaver, restructurer, reconstruire structure sur chaussée. En 6 mois, c'est qui ça qui plus grosse difficulté nous rencontrer dans le cadre du chantier ça? En plus de difficulté, ça,
c'est un aéroport international non, sous trafic. Donc ça qui est important pour nous, c'est que le trafic là, il stoppe dans la nuit. Et nous démarrons le travail là dans 9h du soir jusqu'à 6h du matin, AM. Et la plus grosse difficulté, c'est la sécurité aéroportuaire. Donc, confrontation, c'est que la piste est libérée, est propre, pas de roche, pas d'objet qui est traîné sur runway, pour pas que nous ayons un accident avec avion. Et avec AN, nous travaillons avec AN et puis mission de contrôle qui est à l'aéroport de Paris, pour que chaque matin, la piste est libérée, est propre, et que le trafic puisse recommencer à 6h du matin. Nous connaissons le mois de mai, il y a un pile la pluie qui tombe. Est-ce que nous ne craignons pas que la pluie à tout, nous nous fie la hauteur? Bon, la pluie pour nous est une difficulté, ça c'est clair. Et c'est problème que nous gagnons, même à soir, risque de pluie l'aller fort. Et c'est pour ça que nous limitons le travail dans l'exécution. Le chantier est capable de ralentir un petit bagage. Et pour recommencer plus fort dans le mois de juin. Et qui s'accrète pour faire comme travail? Qui ça? Qui ça qui était pour faire comme travail? Le reste à faire. Le reste à faire. Ça qui était sous chantier et principalement à faire élargissement. Et nous sous 6300 mètres. Longueur totale piste, c'était 3000 mètres. D'accord? Et nous terminer avec accotement d'ici fin juin. Nous besoin encore faire moitié de la piste encore, dans élargissement, accotement et revêtement final là. C'est beaucoup de travail. Est-ce que vous pensez de les 6 mois, nous avons bien temps de livrer marchandises là dans délai ça, nous avons jusqu'à septembre pour nous remettre travail là? Effectivement, et nous manquons temps, ça c'est important. Le chantier officiellement est terminé dans le mois de septembre, donc nous avons temps encore terminé. Le seul bagage qui restait, c'est revêtement final avec élargissement sur moitié piste, sur mi-temps piste et affaire d'éclairage que nous déjà installé, éclairage définitif. Nous déjà dans moitié exécution là. Et nous prenons dans le Parlement haïtien, ce bisot n'importe où près, c'est noté dans le grand site autour. Député circonscription Kinskofla Alfredo Antoine, fait qu'on est membre commission spéciale qui a travaillé sur question représentant Parlement dans le conseil électoral permanent, déjà déposé rapport devant bureau secrétariat général de l'Assemblée nationale. Député a dit bureau Assemblée nationale là t'a dû convoquer parlementaire pour capable décider sur trois noms moun qui pral faire partie conseil électoral permanent parmi 21 personnalités non citées dans rapport si là Kolo Elizer ak Moïse Obiste sur place annonce le extrait. Nous déposer depuis lundi dans secrétariat exécutif du bureau de l'Assemblée nationale. Donc maintenant, c'est président, les présidents de l'Assemblée nationale, les présidents et vice-présidents de l'Assemblée nationale qui a bien pour convoquer et l'Assemblée nationale spéciale pour statuer sur choix trois mondes qui doivent faire partie du Conseil électoral permanent. De 87 à date, pays a connu passé plus que 18 conseils électoraux provisoires. Donc, il est temps maintenant pour que nous passions vers le conseil électoral permanent qui jouait un rôle capital dans la question élection, consolider pouvoir démocratique pour élu, pour remplacer, pour faire élection. Donc, conseil électoral, le conseil électoral en soi jouait un rôle permanent dans la stabilité démocratie. Donc, faut conseil yo monter. Nous connaissons bien que c'est chaque pouvoir, selon la constitution amendée, il y a trois pouvoirs, le CSPJ, l'exécutif et le pouvoir législatif. Chaque abaye trois membres. Trois membres conseil électoral permanent. Rapport que ancien bureau, Assemblée nationale, qui était composé de sénateurs, l'honorable sénateur Youri Latortu et le député qui était fait office de vice-président Scholzer Chancy, qui a monté une commission spéciale qui a travaillé sur le conseil électoral permanent. Donc, nous soumettons rapport au secrétariat exécutif de l'Assemblée nationale. Donc, plaise
au bureau actuel de l'Assemblée nationale pour que vous fixiez cette date-là pour le Conseil électoral permanent. Recommandation, il y a plus que 40 postulants, monde qui étaient inscrits. Et selon critères d'éligibilité, l'ISLA a gagné 21 monde qui arrivaient répondre avec critères d'éligibilité au regard de la Constitution et les lois de la République. N'a prêté toujours dans le Parlement haïtien, président Alliance parlementaire Haïti APH, qui se groupe majorité au niveau de chambre députée, Jean-Wilson Hippolyte, encourager pouvoir exécutif là pour capable accompagner parlementaire sous texte loi qui traite question salaire à pour policiers. Député a fait connaître objectif texte loi ça c'est pour permettre aux policiers jeunes plus encadrement pour capable répondre à un service plus bien dans pays. Colo Élisée ak Moïse Obeste sur place à nous suivre extrait. Nous avons réfléchi et proposé effectivement à ce que la police nationale, les policiers, les membres de cette institution et yota gagné un salaire qui descend et yota gagné un traitement qui approprié à leur mission. Effectivement, et proposition de loi elle était en débat hier dans le Parlement. Et rapport sous proposition de loi était déjà voté, adopté disons par l'Assemblée. Et premier article dans le texte est voté, mais au cours de vote, proposition de loi est après campé pour que nous repensions pour qui ça, parce que nous connaissons selon la constitution haïtienne. Et c'est l'exécutif qui doit fixer salaire. Ça veut dire qu'il y a des interventions par des collègues députés qui t'apprennent et fait mention de incidences financières autour de la proposition de loi ça, nous comprenons, et que nous apprennent changer proposition de loi sous forme de projet pour que nous capables de demander à l'exécutif là pour que nous capables accompagner nous permettant que les policiers gagnent un salaire qui décent et un traitement qui approprié. Toujours dans le Parlement, rencontre qui était prévue faite hier jeudi entre la commission agriculture dans la chambre des députés à quelques dirigeants de la compagnie téléphonique mobile NATCOM, sous parole qui t'a fait comprendre NATCOM t'a introduit une semence dirigeant dans le département Latibonite qui n'a pas respecté nom yo, et bien rencontre ça pas privée faite. Malgré quelques dirigeants NATCOM qui étaient présents dans le Parlement haïtien, rencontre n'a pas organisé à cause responsable NATCOM, pas voulu seulement chita avec le président de la commission. En nous souvient extrait d'un micro Fedner confident avec Moïse Ulbrich. Il y a deux Vietnamiens qui étaient venus là matin. Il y a un, c'est le vice-directeur de la NATCOM. Il dit non, c'est vice-directeur de la NATCOM. Et c'est comme ça, et lorsque vous entrez, commission, membre commission rentré, notamment de prendre siège, et vous dire que vous pas prendre siège, mais vous n'êtes pas là avec service protocole, c'est avec le président de la commission qui a besoin. Mission, vous êtes venu, ouais, président commission. Or, c'est un bagage que nous avons plus que deux mois que nous avons parlé, troisième mois nous, et nous voulons que vous avez information de ce mois qui est introduit, qui est distribué, sans autorisation du ministère de l'Agriculture qui passait dans les pas dédouanés, c'est dans le contribuable. Nous avons besoin de plus d'informations, mais nous n'avons pas décidé de chita. Lorsque nous disons au principe, nous disons non, c'est simplement président. Nous sommes capables de dire ça, c'est certain, c'est que
Si vous êtes président, vous allez chercher complice. C'est ça que nous disons, que c'est une tentative de corruption que lié. Et tout parler que nous parlons avec vous, vous excusez-nous. Et maintenant, lorsque vous allez, nous disons que si vous avez besoin de la commission, il faut que vous écrivez le bureau de la Chambre des députés formellement. Et laisse ça, bureau capable de demander que pour nous rencontrer avec NATCOM. Donc, c'est bagaille ça, il parlait en pile. Et pendant plusieurs mois, nous gagnons toute information, yo, test laboratoire de ce mois-là. Lès que le ministre de l'Agriculture lui écrit, il dit qu'il n'y a pas d'autorisation pour introduire. Distribution qui fait, le ministre confirme tout que il y a 11 sacs que nous recevons de la NATCOM, sans fiche technique, sans pesticides de traitement d'origine. Donc, je pense que ça, c'est une guerre biologique. Et nous demandons, avec le commissaire du gouvernement, pour qu'il prenne charge, pour qu'il tende. Je suis certain, si le commissaire là, il tende, il y a certaines informations que vous pouvez partager avec le commissaire là, pour nous confirmer totalement que ça qui a fait dans la vallée de l'Antibonite et dans toute zone qui produit du riz, eh bien, c'est pas un bagage qui fait, pas naïveté, c'est un bagage voulu que notre commis fait. Dans le dossier économie, président directeur général groupe croissance, Kessler Farrell a opinionné sur l'idée du gouvernement haïtien gagné pour augmenter le prix gaz dans son marché local là et puis couper subvention yo habitué bailleur compagnie électricité d'Haïti EDH. Kessler Farrell quoi est important pour gouvernement et expliquer population ou importance la décision ça une façon pour capable éviter mauvaise interprétation. Puis loin Kessler Farrell encourager autorité en place mettre campé bon gens programme pour capable renforcer production dans pays là. Kessler Farrell a répondu question Marie Dieudonne Hurtelot avec Henri Robert Chéri. C'est bon bah qui date de dire nous on va remonter à 1995. Côté que nous avons pris une décision, ça, prix à la pompe, il est supposé dépendre de prix sur le marché international, là, puisque nous n'avons pas fait pétrole, et également taux de change. Là. Malheureusement, les gouvernements en général, les prix à descendre, ils n'ont pas descendu sur le marché local. Là. Donc, on y a l'air dans une situation, prix à monter. Donc, il y a tellement de difficultés sur le plan financier, je parle de finances publiques, et bien qu'on y a retrouvé devant une situation difficile. Ça. Donc, on a tout à fait raison. Il dit que le gouvernement, avec taux d'inflation qui est aussi élevé, qui a évolué entre 10 et 15% en termes de en rythme annuel, donc le gouvernement se retrouve dans une situation augmentée prix à la pompe. Ça veut dire inflation qui a augmenté. Et prix que nous avons déjà subi déjà sur les marchés locaux, capable de mettre dans une situation encore beaucoup plus difficile. Vraiment, je pense que la pédagogie, la éducation, qui n'a pas fait l'arrivée dans la situation conjoncturelle, ça a été supposé former les gens pour montrer mais sa recette, mais sa dépense, mais qui impacte également sur la balance commerciale là, parce que les importations du pays, importations totales, en d'importation, ça a gagné importation petit pétrolier. Donc, là, on prend deux variables, ça, budget avec balance commerciale là, tous deux agissent négativement contre Haïti, parce que nous ne pouvons pas exporter en pile, selon des chiffres avancés par la Banque centrale. Pendant le premier mois d'exercice fiscal que nous avons là, le premier semestre là, nous avons importé pour plus que à peu près 250 millions de dollars américains par mois. Pendant nous avons exporté pour moins que 100 millions de dollars américains par mois. Donc, nous regardons tout ça, ou nous regardons le déficit budgétaire là, selon le chiffre de centrale là également. Il y a 8 milliards de gouttes d'entrée et 10 milliards de gouttes de sortie, qui ont un déficit de 2 milliards. Donc, là, on prend deux variables, ça, il y a le déficit jumeau, et c'est lui qui va alimenter la pression qui gagne sur le marché local d'échange, là, et également, on est capable de dire, sous taux et sous inflation en économie. Voilà la difficile situation dans laquelle on se retrouve, bah, du gouvernement, le pays se retrouve aujourd'hui. D'où que prix produits alimentaires a augmenté sur les marchés internationaux également. Parce que, il faut qu'on connaisse que Haïti, pas vivre en base clos, nous avons un environnement qui évolue là-dedans. Donc l'économie mondiale là, a marché bien, demande a augmenté, donc priorité de s'augmenter. Parce que le plus facile pour nous demander bien avec service, qu'on fournit bien avec service là. Parce que depuis que nous avons augmentation de salaire, le travail est prêt à le dépenser. Maintenant, offre là lui-même, il réagit à un temps beaucoup plus long. Donc, il y a un coût de réaction, nous avons comme la poche là, et tant que offre là pour nous satisfaire. C'est ça qui a passé sur le marché mondial là. C'est ça qui fait prix baril pétrole a augmenté. C'est ça qui fait prix produits alimentaires a augmenté. Banque mondiale font études sur ça. Mais en plus de ça, gagné on a parlé de laisser frapper qui gagne entre les États-Unis avec l'Iran. L'Iran sont gros pays exportateurs de pétrole lié. Donc si les États-Unis prennent sanction contre lui, même qu'il gagne moins de production et comme demande n'a pas augmenté pendant été dans pays qui puis avancé particulièrement les États-Unis qui puis gros importateurs de produits pétroliers dans le monde. Donc ça vient créer
des déséquilibres dans l'économie. N'a quitté économie n'a pas traîné en question infrastructure puisque député circonscription Maïssad la lui Romel Bogé rassure mon nan commune nan promesse président République la te fait yo sous question construction pont sous rivière Rio Flioa a respecté. Député Bogé dit qu'il dit li reconnaître situation moun yo difficile les lapli tombe pour capable traverser rivière cela promettant li pral rencontrer encore président république là sous dossier cela fait la confident ak Moïse Obich annonce. Le gros c'est question de rivière Rio Frio. Rivière Rio Frio c'était UTE qui était dépendant de ministère finance qui t'a et qui était sous contrôle travail ça qui t'a qu'un travail ça mais qu'il y a là avec lenteur qui vient là qui gain là dans lui donc UTE transféré couliant les travaux avec on sait l'autre section dans travaux publics donc couliant là c'est travaux publics qui prend au voisin donc à date que m'ka parlo là gain 7 films qui bidé sur les trois dalo pour et question pont et sur Rio Frio et pont passe bonbon son appel d'offres international velier je crois que pour les dalo appel d'offres yo sorti dans 7 à 8 jours que n'a pour que tout fini y a bail qui film qui finir et va remettre yo l'eau pour n'ka bon et on souffre à question route ça et président n'a promesse que le défait président lui-même c'est question route. Oui, président Paris, Jean, que mardi encore, je suis en contact avec elle pour me démontrer l'image. Jodi, là, je suis regardé et Maïssa, dont mon intégré deux femmes enceintes qui étaient deux traversées rivière, pas capable, c'est hélicoptère, je suis obligé de faire yo, c'est l'ambulance qui a pris mon sa, grâce à Dieu, tout le monde a sorti sain et sauf. Donc, moi, je dis que le problème est en pile, il est grave dans Maïssa, question de consommer au FIOA, et je souhaite que. Et au niveau avec le ministre Kayo que je parle ensemble le matin, que malheureusement avec les manifestations, pas qu'à arriver dans le bureau là-dedans. Donc nous avons une rencontre encore pour nous faire, pour nous voir que quelqu'un a accéléré le dossier, pour nous permettre que les gens nous ralentissent. Parce que avec la question là, puis qu'à tomber là, je dis en ce moment, j'ai atteint Maïssad, c'est extrêmement difficile. Toujours dans la question infrastructure, responsable service entretien IB à Krigala, dans le ministère Travaux publics, Transport et Communication, ingénieur Joaquin Sanader, Chita parlé jeudi 10 mai avec mon cap vivant dans la zone Blanchard, sur route Babakoa. Chita parlé sa fête après mon communauté a manifesté pour capable demander construction route dans la zone Silla. Ingénieur Joaquin Sanader fait population connaît travail à construction route Bakouan a démarré lundi cap 14 mai cap venir là annoncé. Lundi n'a commencé route là. Yo parlé de Richard Metou, yo gen ministre gen mairie qui dit li gen moyen la donne donc nous la pouvons parallèlement sinon si mairie gen moyen pour commencer à niveau on a commencé parallèlement pour nous capable population et satisfaction. Lundi c'est qui ça nous va faire rapide là lundi là. Et n'a commencé avec caniveau yo, nous t'ai fait répéter topographie déjà implantation caniveau pour avancer. Et route là on a fait la bébé, n'a étudié un bon système drainage pour lui. Pour permettre l'écoulement de l'eau en fait normalement. Et puis pour route Moun, route Blanchard, satisfait de route ça à travaux publics à fait. Premier jour, de route là, et pas premier jour à jeûne. Faut étudier la fête. Faut toute étude de relevé topographique la fête. Étude drainage la fête. Et en même temps qu'on y a pour venir pour jouer une coblan. C'est pour un bagage même, genre en bail privé, que je coblan dans le tiroir, je vais faire et puis mal faire. Moi, je souhaite au cas de calme. Je comprends besoin, je comprends. Et dans une situation, il n'y a pas fait responsable de confiance. Mais il ne faut pas comprendre que faire une route, son bail, quand il dit faire une route là, c'est pour un patchage. Si on dit faire un patchage ni route neuf là, je vais commencer. Mais si on dit faire une route blanche là, il faut me faire étude là, il faut me faire relever topographique là pour m'avancer. Pour la population, zone là, bon, ils ont été confiants, la route là, elle a démarré et puis elle a fait. De toute manière, elle a commencé. Route yo. C'est là nous fermons chapitre local là nous prenons à l'étranger nous te dit dans grand titio pour pipiti 40 moun ont perdu la vie yo plus passé une quarantaine disparaître à cause de gros de l'eau à la bo pour te aller kayo Euro News pour plus de détails.
Au Kenya, dans la vallée du Rift, la rupture du barrage de Soleil a causé la mort d'au moins 47 personnes et plus d'une quarantaine sont portées disparues. Un bilan dramatique qui peut encore évoluer. Toute la nuit, les secouristes ont cherché à aider des rescapés. Une quarantaine de personnes ont été hospitalisées. Selon la Croix-Rouge kenyane, environ 500 familles ont été touchées. Elle a lancé un appel aux dons. Situé dans la région de la ville de Nakuru, en haut d'une colline, le barrage alimentait une importante ferme. Lorsqu'il s'est rompu, l'eau et la boue qu'il retenait ont balayé deux villages et les foyers pauvres des agriculteurs qui travaillaient dans la ferme sur un rayon de 2 km. Beaucoup de gens dormaient ou étaient en train de souper au moment du drame. Les recherches vont durer. Cette rupture de barrage vient alourdir le bilan de cette saison des pluies meurtrières qui a commencé en mars au Kenya. Après une période de sécheresse intense, les pluies torrentielles, plus fortes que d'habitude, ont causé inondations et glissements de terrain. Déjà plus de 170 personnes ont trouvé la mort et plus de 225 000 autres ont été déplacées selon des chiffres du gouvernement. N'a quitté Kenya, nous pour aller en Argentine puisque il y a une grosse manifestation dans le pays Argentine hier jeudi contre Fonds monétaire international FMI. Argentino qui était planté piquet devant Parlement Argentine dans Buenos Aires dit yo pas vle l'argent FMI, yo pas vle FMI dans pays yo. Et on nous pour plus de détails. Non à l'aide du FMI, c'est en substance le mot d'ordre de ces Argentins qui sont allés manifester devant les portes du Parlement. Alors que le peso a chuté de 10% en un mois sous le coup des attaques spéculatives, le gouvernement a augmenté les taxes sur les produits de base et demandé l'aide financière du Fonds monétaire international. Pour ces manifestants, la pire des solutions. Cet argent qui viendra de l'extérieur ne résoudra pas les problèmes, dit cet homme. Ça ne fera que créer une dette qui sera ensuite impossible à rembourser et nous revivrons ce que nous avons déjà vécu. Au début des années 2000, l'Argentine à laquelle le FMI avait imposé sept plans d'austérité était tombée en défaut de paiement. Un véritable traumatisme national dans la troisième économie d'Amérique latine, marqué par les crises cycliques qui mêlent hyperinflation et dévaluation. Pays États-Unis annoncé grosses sanctions tout neuf contre Iran après Donald Trump a décidé de retirer l'accord dans l'accord nucléaire Iran. Annonce le reportage. Les États-Unis ont annoncé des sanctions liées à l'Iran. Sont visés 6 individus et 3 entreprises impliquées, selon les Américains, dans des opérations financières au profit de la force Al-Quds, le corps d'élite des gardiens de la révolution iranienne. L'argent servait à financer les activités malignes de ce corps d'élite, estime le département américain, qui souligne également que la banque centrale iranienne est complice du plan et a activement soutenu ce réseau. Et lui a permis d'accéder à des fonds détenus dans des banques étrangères. Ces sanctions sont les premières depuis la sortie des États-Unis de l'accord nucléaire iranien. Les Émirats arabes unis, alliés des Américains dans la région, avaient salué la décision de Donald Trump de se retirer de cet accord. Et c'est là, je n'en arrive à bout, puisque il est déjà 7h30 dans tout studio. Nous, avant nous aller permettre nous rappeler un grand point qui dominait l'actualité. 6 mois après président République, la Jovenel Moïse a relancé le processus de travail à réhabilitation sous piste à l'aéroport international à tous ces ouvertures dans Port-au-Prince. Responsable du regroupement VOB et fils à compagnie Azelio, a redoublé GFOYO pour capable remettre à travail ça dans le délai qui prévoit dans le mois de septembre qui va venir là. Rapport commission bicamérale qui a travaillé sous choix représentant parlement dans le conseil électoral permanent déposé dans le secrétariat général de l'Assemblée nationale là, d'après député circonscription Kenskofla Alfredo Antoine. D'après lui, c'est 21 personnalités qui respectaient toutes conditions. Rencontre qui était prévue faite à hier jeudi entre membres de la commission agriculture de la Chambre des députés à quelques dirigeants de compagnie téléphonie mobile Natcom, sous parole qui t'a fait comprendre. Natcom t'a introduit un semence diri dans le département Latibonite qui pas t'a respecté nom yo. Pas trivé fait à cause responsable NATCOM yo-même, yo été décidé pour parler seulement à président commission.
Et puis à l'étranger, il y a un barrage de l'eau pété dans le pays Kenya et puis poté aller en pile caille dans deux villages. Bilan pour pipiti 47 moun mouri, plus passé yon quarantaine disparaître. C'est pour ça yo à quelques lot. Nous te prêter pour dans journal aujourd'hui vendredi a, c'est un plaisir pour nous capable informer ou. N'a souhaite passer un très bon vendredi et un très bon week-end sur les réseaux d'Haïti. Rendez-vous avec moi-même c'est lundi matin pour l'autre édition. Bye bye tout le monde.